Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà repartis sur Dwarf Fortress, on est au quatrième mois de l'année, le mois de juillet. Et je commence à mettre en place un petit peu là tout ce qu'il faut. Donc ici à l'entraînement, les deux capitaines d'unitaire, les hoplites, les mercenaires. Ils pioncent ici. On a des armor stands, non, on n'a pas d'armor stand supplémentaire. Warmstone, ok, on va avoir du mal à creuser ici, c'est pas, on va pas leur demander de trop forcer. Ok, on a un animal qui a grandi qui est devenu une mule, ça me va. Ça me va, ça me va. Alors ce qu'on va faire, Z stock, bar, qu'est-ce qu'on a? Iron bar, on en a 10, gold bar, on en a 8, silver bar, 18, copper, 18, zinc, 9, bronze bar, on en a 2. On va faire en copper, on va se faire UMQ. Copper, battle axe, on va en faire 5. Et on va se faire une petite équipe de bûcherons. Et ce qui va être important dans l'équipe de bûcherons. Alors toi, on t'avait enlevé le rôle de Fisherman Friends, it's a bit strong. Vous tous là, tous ceux qui sont charpentiers, vous allez vous mettre à couper du bois, c'est important. Hop. Ah! On a une... j'ai pas vu l'announcement. Une caravane humaine, ça me va plutôt bien. Alors... emmener tous les crafts les gars. Ici on est bon, ça devrait se mettre à pousser assez rapidement. Là on peut voir, hein, c'est des champignons, c'est de l'herbe, c'est de la mousse. Ça peut servir de pâturage. D'accord, mais on a aussi des lits qui sont assignés ici à des... Attends, non, c'est ici que je voulais voir. Voilà, c'est ça. Volcano of Celebration, long terme résident. Long terme résident, parfait. Allez, on va faire le taf. Ok. Pourquoi rajouter un petit coffre ici? Et toi aussi, tu vas dégager de là. Ok, donc on fait la pause. Normalement, ça devrait s'assigner. One day. Alors attends. Rented Room 20. Mercenaire, mercenaire, messenger. Ok. Alors, déjà, il nous faut quelqu'un pour être le tavern keeper, c'est hyper important. J'ai envoyé, ouais, j'ai envoyé, c'est bon. On va juste actualiser un petit coup. Quelqu'un qui sert pas à grand chose. Stone Detailing, on va avoir besoin de toi. Toi, tu fais quoi? Tu coupes. Non, t'es un hunter, tu trappes. Toi, tu fais quoi? Butcher. Limemaker. Ouais, toi, tu sers à rien. Tu t'appelles comment? Erith Atlasthemos. Erith Atlasthemos.
Hérite. Ah, notre mère va être tavernier. Cool. Là, on est bon. Par contre, le truc qui m'étonne, c'est ça, c'est Lady. Long terme résidente. Caspa Nongozofo. Caspa Nongozofo Lady Performer. Pourtant, ils apparaissent là-dedans. Donc, on peut les caler là, normalement. Si je te fais ça, on va t'assigner. Est-ce qu'on va retrouver la lady? C'est ça la question. Lord Consort, Lady. Non, la lady, eh bien. Needlogs. C'est moi le manager, qu'est-ce que je voulais, putain? Qu'est-ce que t'as demandé toi un mandat? Trois lances. Ça va. C'est pas trop vilain encore. Ça s'entraîne dur, c'est bien. Stock. Tened Hide, on en a 69, c'est parfait ça. Équipement, military, équipement. Laser trousseur. Il n'y a pas de bronze pierre. Laser clock. Ok, y a pas. On va au moins faire alors, le manteau, trousseur, mitaine, low boot. Ouais. UMQ, laser. 30, je pense que. 50, ça sera pas de trop. On a 5, 10, donc on devrait en avoir 50 au max. Donc déjà, au moins, ils auront tous une veste. Et ça va être très bien. Ah, ça y est, moi j'approche gentiment là pour dans mon office. Ok. Ok, les ordres sont donnés. Attendre que ça se fasse. Ok, ça commence à se remplir, ça c'est cool. On retire tout ça. Et on garde juste ici là pour qu'il puisse remonter en diagonale là. Sinon il faut rien remove. Ouais, ok. Donc il faut qu'on creuse. Faut qu'on creuse quelque part. C'est-à-dire que normalement ils ont creusé là où je leur ai dit de creuser. Oui, ok, c'était là. Ouais, ils ont rien découvert de faramineux.
Donc en gros, le point intérieur A permet de donner accès aux mines, sachant que dans les mines, on peut avoir parfois des spawns de chauves-souris. J'en ai déjà vu. Alors que c'était complètement fermé, il y a une chauve-souris qui pop. Et je pense que faire l'entrée des cavernes ici, ça peut être intéressant pour que nos nains puissent aller dans les cavernes s'il faut. Mais pour ça, je pense que je vais attendre d'avoir au moins une escouade, l'escouade du commandant par exemple, qui est bien équipée. Et on les mettra à patrouiller par exemple dans les cavernes ou ce genre de choses. Je pense que ça peut devenir fun si on fait ce genre de petites choses. Ouais, ça suffira. Ok, on est bon. Ça va les occuper un petit peu. Ça va les occuper un petit peu, parfait. On pourrait peut-être virer tout ça. On va virer tout ce qu'il y a ici. Le traction bench, on va le mettre dans l'hôpital. L'hôpital qui est ici, hein, je le rappelle. Ok. On en fait un deuxième ou pas? Je sais pas si moi j'ai demandé un deuxième. On va supprimer la zone. Parfait. Au moins ils vont arrêter d'aller là, les nains. Alors. On est bon. On va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. Ça va les occuper. Battle Axe, on en a déjà fait 4, ça c'est cool. On en a fait 4, donc la question c'est, est-ce qu'ils sont allés s'équiper? Les... Ouais, eux. Iron Battle Axe, on les a. Ah, Iron, ok, d'accord. Steel Battle Axe. Ils sont tous équipés là. Ok. Les manteaux, c'est pas encore lancé. Putain, il n'y a personne qui part couper les arbres. Alors attendez. Broker. Replace. On n'a pas de praiser. Non, si on en a praiser ici, novice. C'est un soldat, c'est pas cool. Merde, je l'ai fermé. Vas-y, on relance. Crossbowman, Nemen Humilis. Broker, Serge. Ah merde, ça doit pas être un nain. Quoi, ça doit pas être une naine. Non, c'est pas une naine. Par contre, la personne à Stone Detailing, ça me plaît bien. Avuse Lisat. Avuse Lisat.
Freezer. Voilà, parfait. Comme ça, au moins, notre maire, il sera tavernier, mais pas plus. Ok, donc dès qu'il aura fini ça, ça va être bon. Putain, ça a dû prendre 10 ans. On descend tout doucement. Bon, au moins ça range, hein, ça c'est cool, mais c'est vrai que ça va les occuper, bah, ça va leur prendre beaucoup de temps. Hein. C'est indéniable. Et ça y est, là, il remonte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller boire, ok. Ça lui aura pris 24 heures de déplacer son bout de caillou. Comme quoi, parfois, on se plaint. Je vais faire quoi? Trade à dépôt, parfait. Allez, on va trade. Tin bar, il nous les faut. Glace clay, tout ça, je veux pas tout ça. Water skin, va falloir qu'on le fasse, qu'on prenne le temps de faire les flasques, faire les water skin. Tin cage, on pourrait la faire fondre la tin cage, ça nous permettrait d'augmenter notre ratio en bronze. Water buffalo, je le veux. Macpinant, tin cage, je prends. Bulle, je prends. Tin cage, je prends. Un peu plus d'alcool, allez, un peu de vin, de turnip, du vin, berry vine. Hop, shield, shield, gauntlet. Oh, bronze shield. Ah putain, 540, hein. C'est chaud. Des mitaines en rope. C'est pas en tanned hide. C'est pas en cuir. On descend. Et là, ce qu'il va nous falloir, c'est les laser beams. Histoire qu'on augmente notre stock de cuir. Et qu'on puisse faire toutes les armures, entre guillemets, hein, de nos soldats, de nos spartiates. Hop, on continue. Bronze, arrow. Nope, iron, non. De la bouffe, on va la prendre. Genre, on va prendre masse bouffe. On va prendre des plantes. On arrive à 2400, ça va être dur, hein. C'est dur de conclure. Alors. Elles sont quasiment vides, la blague. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus les mugs là-dedans. Les mugs sont stockés à un autre endroit. On est à combien là? Trader loss 455, on a 2400, donc on va être obligé de virer un peu. Je pense qu'on va virer de la bouffe. Des leaves, j'en ai pas forcément besoin. On va virer ça. On a beaucoup de plantes, naturellement. Le poisson, on en a pas mal aussi. Alors, il faut qu'il fasse du profit, sinon il reviendra pas. Ah,
Allez, 400 de profit, c'est pas mal. Ok, c'est bon, il est content par le trade. On va pouvoir libérer. F4. J'aimerais bien que tu smeltes. Et en detail. Est-ce qu'on peut detail ça? On peut pas detail. Attends. On va la cancel. Va falloir que je trouve un moyen de réussir à faire ça. Pourquoi c'était suspendu ça? N. Water Buffalo. Strébule. Parfait. Lit de cage. Personne qui field tree, hein, ça me désole. Ça me désole. On n'a plus de log. Il nous en faut. Il nous en faut énormément même. Ils vont bientôt partir. Ok, on a enlevé tout ça. Donc moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse. Alors déjà, on nettoie tout ça, les gars, s'il vous plaît. Et je pense qu'on va augmenter la surface ici. Comme ça. On est bon. Les stocks de bouffe, on est monté à 800 partout. Parfait. Je le rappelle, hein, on est quasiment, on consomme 400 de boissons par saison. Saison, hein, c'est 3 mois. Et 200 de bouffe. Ok. Ça a commencé, là c'est bon. Ça avance bien. C'est juste ouais, tout le bois là que ça part pas. On va voir nos stocks. Weapon. Weapon. Great Axe, Training Sword, Training Spear, on s'en fout tout ça. Copper Battle Axe, on en a 6. Steel Battle Axe. Donc ce qu'on peut faire sincèrement, c'est qu'on peut en mettre beaucoup à couper du bois, c'est pas gênant. Woodcutting. Voilà, on envoie ça, on a plus de bûcherons potentiels. C'est tout ce qui compte. Tac. Bon, on va s'arrêter là. On est au début du cinquième mois de l'année, donc ça fait le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur Dwarf Fortress et sur la chaîne. A bientôt tout le monde et bye bye!